Cela faisait plusieurs fois que nous croisions la route de ce biker solitaire. Intrigué par sa moto lestée pour les grands voyages. En arrivant à Uyuni, nous l'avons rencontré dans un restaurant. Je suis parti de Houston au Texas en novembre pour voir tous les pays d'Amérique du Sud et poursuivre le Dakar pendant 2 semaines. Est-ce que les Américains suivent le Dakar ? De plus en plus. Les sports tout-terrain ont gagné en popularité ces 10 dernières années. Le Dakar, c'est mon Super Bowl à moi. C'est ce qui se fait de mieux dans toutes ces courses que j'aime. J'appelle le Dakar la Formule 1 de la piste. Au restaurant, Joe profite du Wi-Fi pour envoyer les photos et les vidéos de son périple avant de s'offrir une petite promenade. C'est comme si vous faisiez le Dakar en fait. Ouais, c'est mon petit Dakar personnel. J'ai l'impression d'être James Dean. 7 heures le lendemain matin. Joe s'apprête à reprendre la route. Ouais, ça paraît incroyable qu'on puisse mettre autant de choses sur une moto. Ici, ce sont mes vêtements de tous les jours. Là, c'est mon hôtel. Ça, c'est tout ce qui est technologie. Et dans ce coffre, j'ai mis la nourriture et les outils. Et voilà quelque chose qu'on ne trouve pas habituellement sur une moto. Un drone. C'est pour pouvoir faire mes vues aériennes. C'est principalement un hobby. Mais je travaille aussi avec une télé locale qui diffuse des programmes sur les motos. Donc, j'envoie ce que je peux quand je trouve un accès Internet. Aujourd'hui, notre Texan va tenter de faire des images au départ de la spéciale. Là, je suis au paradis. C'est vraiment super. Quel pied. Et encore plus quand on a les bons jouets pour tout enregistrer. Ça, c'est une caméra à 360 degrés. C'est amusant, car ça donne aux gens l'impression d'être au cœur de l'événement. Combien de Dakar avez-vous fait ? C'est le 7e. 2 quatrièmes places et je veux vraiment le podium. Mais bon, c'est pas si simple. Il nous reste 5 jours pour attaquer. Vous avez une bonne chance d'y arriver ? Oui. Je crois que c'est l'heure d'y aller. À la prochaine. Bonne chance. Est-ce que ça vous donne envie de faire vous-même le Dakar ? Ah oui, absolument. Ce n'est pas si différent des courses que j'ai déjà faites. Mais il me faudrait beaucoup d'argent et d'amis pour m'aider à le faire. C'est l'obstacle principal. Il est l'heure de reprendre la route. Il y a près de 800 km pour rejoindre Salta. Pourtant, Joe ne résiste pas à l'envie de s'arrêter quand il croise un troupeau de lamas. Gracias. Life is older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze, country roads. Take me home. Ah, je vais en ramener un à la maison. J'ai eu des chevaux, mais ces animaux sont si drôles. Quelques dernières photos. Et cette fois, il est l'heure de se dire au revoir.